Bonjour à tous et bienvenue sur Tip Top. Si vous êtes à la recherche d'un mini frigo, alors vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, vous allez découvrir le top 3 des meilleurs mini réfrigérateurs les plus adaptés pour vous. De quoi mettre au frais des canettes ou autres boissons dans un petit appareil. Comme d'habitude sur Tip Top, je vais vous présenter les 3 meilleurs par ordre de prix. Donc on commencera par le moins cher, puis celui avec le meilleur rapport qualité-prix et enfin le meilleur premium. Donc commençons par le moins cher, à savoir le mini frigo Subcold Classic 4. Donc ce modèle mesure 25,5 cm de long, 19 cm de large et 28 cm de hauteur. Sa capacité est de 4 litres, ce qui représente environ 6 canettes, avec en plus de la place pour quelques barres chocolatées dans la porte par exemple. Vous pouvez aussi y stocker des produits cosmétiques si besoin. Vous avez deux possibilités pour l'alimenter en énergie. Un câble USB ou alors un câble d'alimentation courante de 230 volts. Autrement dit, vous pouvez l'amener facilement avec vous. Le système thermoélectrique peut refroidir jusqu'à 18 degrés en dessous de la température ambiante ou chauffer jusqu'à 45 voire 65 degrés. En appuyant sur un simple bouton, vos boissons restent fraîches et vos aliments restent chauds. Dans l'ensemble, ce mini frigo est bien doté. Avec une moyenne de 4,5 étoiles sur plus de 1903 évaluations différentes. Et s'il vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à cliquer sur le lien que j'ai préparé pour vous dans la description pour le commander directement, savoir davantage dessus. Passons maintenant à celui avec le meilleur rapport qualité-prix, à savoir le mini frigo Flamingoé. Vous avez là un modèle disponible en deux couleurs différentes, donc le rose et le bleu. Le design rétro apporte un vrai plus à votre pièce en termes de décoration. Sa capacité de 4 litres comme le précédent modèle, donc il peut contenir environ 6 canettes plus quelques petits objets comme des barres chocolatées par exemple. Au total, il mesure 25 cm de long, 19 cm de large et 27,5 cm de haut. Ce mini frigo rétro possède les fonctions de refroidissement et de chauffage, donc comme pour le précédent modèle. Il atteint une température inférieure qui peut aller jusqu'à 20 degrés en dessous de la température ambiante lorsqu'il est froid, avec un minimum de 0 degré, et 50 degrés lorsqu'il est chaud. Le petit réfrigérateur portable peut être connecté à la fois au courant électrique de 220 volts, mais également grâce à la prise électrique d'une voiture à 12 volts, par exemple. Son gros plus est que son fonctionnement est relativement silencieux. Et évidemment, dans l'ensemble, il est bien noté, avec une moyenne de 4,3 sur 5, sur plus de 304 commentaires différents. Donc, s'il vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le lien que j'ai préparé pour vous dans la description pour le commander directement ou en savoir davantage dessus. Et enfin, pour terminer, on va passer au meilleur premium, à savoir le mini réfrigérateur Klarstein. Donc, ce mini frigo est un peu plus grand que les autres, puisqu'il a une capacité de 17 litres. Pour preuve, il mesure 41,5 cm de long, 38,5 cm de large et 33,5 cm de haut. Forcément, vous pouvez y ranger plus de choses, donc par exemple un pack de 6 canettes en haut, quelques bouteilles dans la porte et des fruits à l'étage du dessous. Il est silencieux lorsqu'il fonctionne, donc ne vous empêchera pas de dormir, et le refroidissement est réglable entre 4,5 et 15 degrés. Dernier point, il fonctionne uniquement grâce à une prise de courant. Dans l'ensemble, il est bien noté avec une moyenne de 4,5 sur 5 sur plus de 337 avis clients différents. Donc si l'un de ces 3 mini frigos vous intéresse, eh bien j'ai préparé pour vous des liens dans la description. N'hésitez pas à cliquer dessus pour en savoir plus sur chacun d'entre eux ou directement pour commander l'un de ces appareils chez vous et le recevoir dès demain matin. Si cette vidéo vous a plu et vous a fait gagner du temps dans votre recherche, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines bonnes affaires du web et mettre un petit commentaire, ça aide la chaîne TipTop à se faire connaître et ça ne vous coûte rien. Merci du temps que vous m'avez accordé et je vous souhaite une très belle journée ou une bonne fin de soirée. À la prochaine sur TipTop, ciao.